Salut à tous, c'est Justine et bienvenue sur ma chaîne de fitness. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance spéciale cardio brûle graisse, mais cette fois-ci sans impact, sans aucun jump, sans aucun saut, mais avec du matériel pour continuer à booster la shape et à avoir un max de résultats. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne juste en dessous et à lâcher un petit like si tu kiffes cette vidéo à la fin de ton workout. On se prépare, on est chaud, c'est parti! Ok, on va venir enclencher cette séance justement en venant faire étirer nos cuisses, ouvrir nos hanches. Ça va nous faire du bien, ça va permettre de bien se concentrer, de se mettre pleinement dans la séance et d'évacuer un petit peu d'autres courbatures si vous vous êtes entraîné un petit peu dans la semaine. Allez, ça fait du bien. On vient chercher grande ouverture sur les extérieurs, encore. Dynamique. On vient vraiment déverrouiller le corps sur la partie warm-up de chaque séance. Très important de faire de la mobilité active, un échauffement très actif et pas forcément des étirements statiques, etc. On va venir descendre ici en fente. On va venir étirer la hanche. On va rester quelques secondes, une vingtaine de secondes sur le côté gauche. Puis on va venir basculer les 20 dernières secondes sur le côté droit. On peut se redresser ici, aller chercher à s'agrandir en direction du plafond. Ça fait du bien, ça déverrouille vraiment le bas du corps. Quand on s'entraîne régulièrement, en général les warm-ups, ça permet aussi d'éviter de se blesser. On va rester ici en bas, on va venir tendre sa jambe, rester en appui sur la cuisse ici et on va venir basculer à droite puis à gauche. On peut avoir des petits craquements, c'est le corps qui vient se mettre en action, vient se réveiller, tant mieux, ça va lui faire du bien. Allez, super. On se stabilise en restant les mains au sol, on garde le dos droit et on bascule ici. Encore. Puis on va venir se redresser. Ici, on va partir en jumping niveau 1. Toujours sans saut. Séance sans aucun impact. Parfait si vous avez des douleurs de genoux ou que vous ne pouvez pas forcément sauter, vous êtes en appartement. C'est une séance qui sera particulièrement adaptée. Alors comment faire pour augmenter l'intensité sans sauter dans tous les sens? On va complexifier tout ça, vous allez voir. Pendant la séance, ça va être chouette. Vous allez kiffer. J'avais hâte de la faire avec vous, cette séance. On va se motiver ensemble, tous ensemble aujourd'hui. Allez, dans 5 secondes, on passera en squat. Puis soulevé de terre pour articuler tout ça. Descends en squat, soulevé de terre. On allait tirer l'arrière des fessiers, l'arrière des cuisses. Et on descend en squat. Et on pousse les fesses vers l'arrière, dos droit. Squat. Ici. Squat. Pied vraiment, enfin poids vraiment de votre corps dans les talons. Pour venir descendre bien à la verticale. Et on respire. On ne fait pas d'apnée hein, pendant ces séances. On va terminer. Ici, en descendant en marche de l'ours. Et on fait une pompe. Hop. Et on se redresse. Ça permet de travailler un petit peu le haut du corps, d'activer tout ça. Et on se relève. On redescend. Et on se relève. On va rester en bas. On va venir terminer justement sur les poignets. Juste ici. Parfait. Ok, mais ici bout de vos haltères, on va venir descendre en squat et coup de poing haltère. Tout de suite, ici. Je me mets face à vous. Ha ha. On va être en 35 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Alors vous pouvez mettre tout de suite de l'intensité sur les 35 secondes de plage d'effort. Allez, on enclenche. Ici.
Tourne ton épaule. Viens puncher. Ha, ha. Super, descends bien. Et récupération. Garde tes haltères en main, on va partir en thruster. On va se matraquer dans ce premier bloc. Les cuisses, le bas du corps. On va chercher la brûlure. On est prêt? Arme tes haltères sur les épaules. Let's go, c'est parti. En bas. Et tu viens chercher à expulser tes haltères lorsque tu es en haut. Super. Allez, descends bien en bas. Et tu remontes avec la force de propulsion de tes jambes. Sur les haltères, sur les épaules. Encore. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Super, c'est bien. Pose tes haltères au sol. On va partir en fente arrière. Plus tape genou, celui-là, il va piquer. Ouh là là, celui-là, il va piquer. Let's go, non, 3, 2, 1. Écarte bien tes pieds. Descends, fente arrière et tape genou. Monte bien haut ton genou. Hop. Hop. Ici, tape. Encore. Descends le genou à 90 degrés. Hop. Ici. Il y en a beaucoup qui vont juste tendre la petite jambe derrière, comme ça, pépouze. Oh, on n'est pas en pique-nique. On se dépêche. On fait un mouvement complet. On sait pourquoi on est là. On n'est pas là pour cueillir des tulipes. Encore. Et récup. C'est bien. Pensez à voir pendant les phases de récupération. On va partir pour la jambe opposée. On est prêt ou pas? Allez, 3, 2, 1. Let's go. On garde le dos droit. Le genou est à la limite de toucher le sol. À l'arrière. Écartez bien vos jambes. Pour bien vous stabiliser, ça ne sert à rien d'être le pied l'un derrière l'autre. On écarte. On prend de la place. Et on évite de se blesser. Parce que ça crée une petite instabilité forcément. Alors on lâche rien. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est bien. On va venir se munir de son haltère. D'ailleurs, si vous avez la possibilité, si vous avez à la maison ou à la salle des haltères plus lourds, n'hésitez pas à les prendre. C'est ce que je vais faire avec vous. On va partir en arraché droit. Ici. Séance total body aujourd'hui. Encore. Allez, super. Si vous avez les mêmes haltères ou même des bouteilles d'eau, essayez d'aller encore plus vite. Encore. Allez, c'est bien. Hop. Allez, 4, 3, 2 et 1. C'est bien. On vient travailler donc le cardio à haute intensité avec ce fractionné. En même temps, on continue de travailler un peu le gain musculaire tout en étant à la fois très cardio. C'est comme ça qu'on va augmenter son métabolisme. Allez, l'autre bras. Allez, on s'entraîne ensemble. On va suer ensemble. On va dégouliner ensemble. Plus vite. Il faut mettre de l'intensité. Il faut rajouter des charges. Sans jump, on doit pouvoir aller chercher au bout de l'effort. Encore. Ha. 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 Allez, longe l'haltère le long du corps. Expose-moi ses épaules. Ha. Super. Ok. On va partir maintenant sur la partie haltère. En abdos, on va être en planche. On va venir faire une extension d'haltère. On le met sous le buste. Ici, on vient position planche. Et on twist. Et on alterne. On fait une belle planche. Twister, on rajoute de la difficulté avec l'haltère dans la main. Encore. Allez, c'est bien. Lâchez rien. Ouh. Ouh.
Super. Ha ! Et récup. On va basculer tout de suite sur le dos. On va donc garder le même halter. Ici, on rapproche les pieds. On met les pieds pardon, un peu éloignés de ses fessiers. On va venir faire des crunchs avec halter. On va venir chercher le plafond. Ici. Allez, on souffle. Allez, on s'accroche. Allez, la team. Si vous voulez les résultats que vous n'avez jamais eus, faites les exercices que vous n'avez jamais faits. Encore. Viens chercher, grandis-toi vers le plafond. Accroche-toi. Garde les bras tendus et récup. Super. Tu peux redresser ton buste. On va partir en abs oblique. Ici, garde ton halter dans ta main. On va venir chercher les extérieurs. C'est parti. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Le buste pas trop droit, légèrement penché. Hop, hop. Allez, tourne bien ton buste. Viens chercher. On peut même faire comme un rameur. Option plus difficile. Pour les personnes qui ont un niveau un peu plus avancé, bien ramer ici. Avec l'haltère dans la main. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Super, c'est bien. Parfait, la team. On va partir en soulevé de terre, plus fente arrière. Là, on peut prendre les haltères un peu plus lourds. Juste ici. Je vous montre de profil. Soulevé de terre, fente arrière croisée. Soulevé de terre, fente arrière croisée. Et on met de l'intensité tout de suite. On garde un bon positionnement, dos droit, épaules en arrière. Ici. Encore. Ici, tu gardes les épaules en arrière. Et tu viens chercher une belle diagonale. Encore. Et récup. C'est bien. On va partir sur tipping, intérieur-extérieur. Là, on va être sur des petits tapements de pieds, c'est pas des jumps. Ok. Face à moi. C'est parti. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et on accélère. Allez, viens chercher du dynamisme. Ici, fais monter le cardio. Encore. Allez, accroche-toi. Accroche-toi. Il restera 10 petites secondes. Un peu comme de la danse. Hein. Tu fais de la salsa un petit peu ou du twerk. C'est toi qui décides. Ça dépend de ton booty. Allez, intérieur, extérieur. Et récup. Super. On va partir en squat genoux. On va venir se cramer tout ça tout de suite. On est prêt au sol. Ça sera notre dernier 12e exercice. Tu restes en bas. Garde le dos droit. Allez, 15 secondes. C'est rien, 15 secondes. Secondes. Allez, encore, accroche-toi. On aura fait nos 12 exercices et on refera un deuxième tour. Récup, ok. Tout ce qu'on vient de faire là, on va le refaire une deuxième fois pour conclure cette séance. Ok, on va partir en squat plus coup de poing. Reprends tes haltères. Let's go. Et c'est parti. Squat. Descends bien, ici, hop, hop, allez, mets de l'intensité, mets de la vitesse, tu les connais maintenant, hop, 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 droite, gauche, encore, droite, gauche, accroche-toi, droite, gauche, fois dans tes talons, droite, gauche,
Allez, crunch ta journée. Ha! Ha! Récup. Garde tes haltères dans les mains. On va partir en thruster. Dans quelques instants, on va armer ses haltères sur ses épaules. Let's go. C'est parti. Ici. Encore. Descends bien en bas. Allez, ça va passer extrêmement vite. Plus qu'une dizaine de minutes pour faire la différence aujourd'hui. Si tu mets de l'intensité maintenant, ta séance de 25 minutes, elle est rentabilisée. T'as pas besoin de faire des heures et des heures et des milliers d'heures de vidéos à la suite comme un peintre. Sois efficace dans tes entraînements. Allez, c'est bien. Régularité. Vaut mieux faire 25 minutes tous les jours, 5 fois par semaine, que d'enchaîner toutes les vidéos de YouTube pour se donner bonne conscience et penser que 50 minutes, c'est avoir un bon niveau. C'est l'intensité qui compte. Allez, fente arrière. Tape genou. Hop. Hop. On récupère. Restez concentrés. On parle moins, on est plus efficace, on est dedans, on se concentre pleinement dans ce qu'on fait maintenant. Allez, c'est bien la team. Dites-vous bien que vous n'êtes pas tout seul à la faire cette séance. Let's go, l'autre jambe. Fente arrière. Tape. Tape. Garde le dos droit. Tape. Allez, belle fente arrière. C'est pas un petit stepper, comme je t'ai dit, t'es pas dans la prairie. Allez. Allez, c'est bien, vous pouvez aller jusqu'au bout. Oui, je vous engueule, mais je vous encourage aussi. Allez, super. Encore. 5, 4, 3, 2 et 1. Yes, c'est bien. Allez, on va passer en arraché. Arrachez-moi tout ça. On est prêt? 3, 2, 1, let's go! Donc plus t'as lourd, parce que tu gères ton effort, plus t'as léger, 2 kilos ou 2 litres d'eau, plus tu vas vite. Encore. Une bouteille de 2 litres, ça fait à peine 1 kilo. Ça fait 1,5 kg. Tu peux aller vite. Encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Super. On récupère. C'est bien. Allez, on se concentre. On va se mettre avec le bras opposé. Et on attaque dans 3, 2, 1. Let's go. Ha. L'haltère. Longe le long du corps. Encore. Allez, 15 petites secondes. C'est bien. Et t'as quasiment fait la moitié du deuxième tour. Il te restera plus rien à faire. Encore. Allez, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est bien. Ok, on va se remettre pour le combo avec nos 3 exercices d'abdos au sol. Ok, lâche rien. En planche. Ici. Jambes tendues. Et on attaque. Let's go. C'est parti. Allez, souffle bien. Bascule à gauche. Ha, plus vite. Accélère. Bascule à droite. Bascule à gauche. Bascule à droite. Allez. Ha, 15 secondes. N'abandonne pas. Accroche-toi. Allez, garde le bassin. Bas. Monte pas les fessiers en chapiteau.
T'es pas un chameau. Ha. Super. On bascule sur le dos. Encore deux exercices. Abdos avec haltère. Alors accroche-toi. Pars en crunch. Reprends ton souffle. Let's go. En haut. Allez, viens chercher le plafond. Grandis-toi. N'arrondis pas le dos. Fixe un point. Au-dessus de toi, au niveau du ciel. Au niveau du... Ouais, du ciel. Si tu l'as fait en extérieur. Encore. Accroche-toi. Super. On se redresse. On va partir en abdos obliques. Tu peux avoir une kettlebell, tu peux avoir un halter, un disque aussi. Toi qui choisis. Et on va partir avec la version difficile. On va venir ramer pour faire ses obliques. On bascule en arrière. Gauche. À droite. À gauche. Inversement. Droite. Gauche. Encore. Viens chercher. Allez, rame. Tourne le buste en même temps. Ha! Ha! 15 secondes. N'abandonne pas. Reste en bas. Ça brûle. Allez, encore. Allez, 6, 5, 4. Super. Allez, il nous restera 3 exercices. Munis-toi de tes haltères. On va partir en soulevé de terre. Plus fente arrière croisée. C'est bien. On est chaud. On n'a pas fini encore. Let's go, c'est parti. Soulevé de terre, fente arrière croisée. Soulevé de terre, fente arrière croisée. Épaule en arrière. Soulevé de terre, fente arrière croisée. Encore. Jambe gauche. Accélère. Jambe droite. Jambe gauche. Encore 10 secondes. Jambe droite. Bien cherché, bien sur les extérieurs. Belle diagonale. Garde le dos droit. Super. Ok. Allez, il reste deux exercices tipping intérieur-extérieur. Squat genou. Et on en aura fini. Lâche pas. T'es prêt à twerker? On est prêt ou pas? Let's go. C'est parti. Allez, intérieur. Extérieur. Mets du dynamisme. Encore. Allez, c'est bien. Tu peux le faire. Allez, lâche rien. Encore, 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 encore. Allez, 10 secondes. Accélère. Plus vite le rythme. Il y en a qui sont au ralenti. Encore 4, 3, 2 et 1. C'est bien. Ok, on va se placer au sol. C'est la dernière, le finisher. Positionne-toi. On va partir en squat genou. Let's go, c'est parti, finisher. Et reste en bas. Jambes fléchies, garde cramer les cuisses. Encore. Tu peux alterner les jambes, toujours faire dans le même sens. C'est toi qui choisis. Allez, 10 secondes. Arrache-toi. C'est bientôt la fin. 4, 3, 2, 1. Yes! Yes! Bravo à tous d'être allés au bout de ce workout. Vous pouvez être fiers de vous. L'intensité est montée. Vous avez vu, même sans jump, il suffit simplement d'accélérer et de rajouter des charges lorsqu'on a des haltères. Et la transpirance, elle arrive très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire la date et l'heure à laquelle vous allez effectuer ce workout et à partager votre séance sur les réseaux sociaux. Screencheck du point. Et à le partager avec l'hashtag Team Galis. Sur mon compte Instagram, vous pouvez me taguer. Bon partage assez souvent. Merci à tous. À très bientôt pour de prochaines séances. Ciao, ciao! Being used, everybody wants a piece now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet now. Keep ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday.